et marquer joli but. Qui vous a dit même qu'on veut jouer un bon match, marquer joli but? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? De la première minute à la dernière minute, on n'a rien joué, rien. Une seule occasion on a eu, Nicolas Pepe fait dribbler tout le stade pour marquer. Attends, est-ce qu'il est conscient même? Mais Pepe là même, oui. Je vous le dis en vérité, on n'a rien joué. Quand Pepe s'est pris pour dire, commençons le match, la Côte d'Ivoire n'a rien foutu. Aucun pressing, aucune attaque. On a eu une seule attaque. Une seule déviation de Christian Kouamé. Nicolas Pepe, tu es devant le gardien. Le défenseur te bouscule. Si tu tombes, pénalty. Tu dis au match, non. Pepe veut dribbler le gardien, le poteau, le stade, tout le monde pour marquer. Mais c'est pas possible ça. C'est hallucinant. Là, on est plus qualifié. Hein. On est mené 1-0. 1-0. On a marqué un lava, dit que c'est refusé. Il reste 45 minutes. Équipe Sala. Équipe qui a joué première mi-temps que toi et puis moi on a vu. Équipe Sala peut marquer un but. Faire remonter là. Marquer deux buts. Équipe qui joue Sala. Équipe Sala. Équipe qui joue comme cela. Équipe que tu as vu qui joue première mi-temps comme cela. Qui a zéro occasion concrète. C'est une seule occasion d'éviation de Christian Kouamé. Et que Pepe veut dribbler tout le stade pour marquer là. C'est l'équipe celle-là qui va marquer un but égalisé pour mettre deux ennemis pour se qualifier. Sois en sérieux. On joue un match de qualification direct. Et les joueurs jouent comme si tout va bien. Les mecs, ils ont 6 points. Dernier match, c'est relax, c'est flex, c'est zen. Mais ça m'étonne, ça me choque. Je me dis, mais comment peut-on prétendre gagner un match de qualification et prétendre gagner la coupe? C'est nos joueurs. Mais ils foutent la merde. Ça là, tu donnes ça à l'air. Il va tirer pour marquer. Mais Nicolas Pepe, Pepe, si toi on est éliminé au nom d'Allah, toi, faut quitter le pays en même temps. Parce que ce que tu as fait là, c'est méchant. Pepe, tu es méchant, tu es mauvais, tu es un sorcier. Toi là, tu es un démon. Ton pays joue un match de qualification très tendu, très serré. Tu as une seule occasion en tant que grand attaquant. Tu fais quoi? Tu marques le but. Tu veux dribbler qui? Là, on a besoin de dribbler quelqu'un. Non, mais dites-moi la vérité. Est-ce que là, on a besoin de dribbler quelqu'un? Non. Tu es devant pour te voir si gardien qui est déjà battu. Si tu vas marquer, non! Lui, il veut dribbler le stade, le gardien, les poteaux, il veut dribbler tout le monde pour marquer. Voilà, Pepe a marqué joli but. C'est une équipe de beaux que comme cela, vous prenez aussi rien. On n'a pas dit bien, moi, je suis sorti pour rien. Voilà, Tigre, là, on a payé pour rien. Tu dois faire la allez. Lui, n'est pas dans ma tête, joli but. But, c'est but. Pepe, oui. C'est pas possible ça. C'est un rêve, c'est un cauchemar. Je sais pas. Ton pays joue un match de qualification directe. Et tu as devant les buts. Tu n'es pas capable de marquer les buts. Tu veux des buts qui mènent. Non. Même c'est qui bon, faut me dire ça là. Si c'est dans ton club, tu as tiré pour marquer comme c'est Côte d'Ivoire, mais les gars, ils ont foutaise quand même. Hein? Mais ils ont le foutaise quand même, quoi. Ça là en Europe, il va tirer pour marquer, hein? Mais ici en Côte d'Ivoire, non, qui a sélectionné Pepe même? Donc, vous avez laissé Wilfried Zaha pour nous donner des pourritures comme ça.
Vous avez laissé Zaya, oh non, Zaya il est impoli. Hein. Ça, c'est Zaya, il vient tirer, boum, c'est marqué. Vous laissez les buteurs, pépins, craquants, pour prendre des mannequins. Pour prendre des mannequins. Là, tu sais ce que. Tu veux marquer comment? Tu veux marquer comment? Tu es devant le Vous avez raison. Parti central. Ouais. Et les fonds vaut rien. Hein? Une seule occasion concrète on a eu là. Pépé est parti donner ça au gardien. On peut dire que tout le reste là, c'est pas grave. Mais une seule occasion, quand on dit on a une grande équipe, on a de grands joueurs. Une occasion concrète, un but direct. Voilà Pépé. Voici Pépé qui est là. Déviation, tu as le ballon, on te bouscule, soit tu tombes, c'est pénalty, soit tu tires directement, tu marques. Non, le gars il veut dribbler tout le monde. Pépé, tu es mauvais, tu es méchant, tu es démoniaque, tu es sorcier. Tu es sorcier. Tu n'aimes pas ton pays, tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Parce que si tu aimes ton pays, la Côte d'Ivoire, occasion nette de but que tu as eu là, ça là, on tire, on ne cherche pas à comprendre quelque chose. Devant poteau, on met boum. C'est ça, on dit un grand attaquant. On va prendre des mannequins pour nous donner. Hein, on dit, c'est les meilleurs joueurs. C'est eux, on a pris. Voici vos meilleurs joueurs qui sont là. Les voici qui sont là. Vos meilleurs joueurs là. Les voici qui sont là. Les voici qui sont là. Hein. Vos meilleurs joueurs. Les voici qui sont là. En train de foutre la racaille. Dans notre stade. Dans notre pays. Dans notre calme. De notre coupe, voilà, on va nous éliminer. C'est simple. On va nous éliminer. Parce que cette équipe-là, même s'ils se qualifient, ils n'iront nulle part. Il n'y a pas attaquant. Il n'y a pas milieu. Il n'y a pas défense. Guinée-Équatoriale, ils ont eu une seule occasion, ils ont mis tout. Vous dites, attends, pourquoi c'est que ça a mis ma voix? Guinée-Équatoriale, ils ont subi 45 minutes de domination. Ils ont eu une seule occasion, ils ont mis tout. Et puis c'est fini. Voilà l'équipe, on dit, eux jouent pour leur pays. Ils ont, on les a dominés. Hein? Ils ont eu une seule occasion, ils ont mis tout. Fin. Terminé. Battez-vous maintenant le reste là. C'est plus leur problème. On les a dominés. Même Balin ne touchait pas. Fofana, lui, il fumait un chicha. Mais dans une occasion, quelle Guinée quand on a eu, ils ont mis tout. Côte d'Ivoire, ceux-là, ils ne vont pas égaliser. Ils vont nous éliminer. Pion. Parce qu'on ne vaut rien. On ne vaut rien. Il ne faut pas voir se mentir. Équipe ça ne peut pas gagner coupe. Équipe ça ne peut pas gagner un match. Parce que, rappelez-vous, Nigeria a marqué un but sur penalty. Il n'est pas égalisé. C'est contre Équateur, Guinée, Équateur, il va égaliser. Voilà, vous, attends, are you serious? Contre Nigeria, quand ils vont encaisser un but pratique, premier mi-temps, ils n'ont pas pu égaliser jusqu'à la balle est finie. C'est soit Guinée équatoriale, vous allez égaliser. Vous fumez quoi même? Vous fumez. Commencez à enlever vos maillots, c'est fini. Côte d'Ivoire éliminé. C'est terminé. C'est terminé. Laissez la canne, les gens vont jouer. Nous, là, on a qu'à sortir. On ne vaut rien. Et tout ça ne peut pas gagner un match. C'est grave. C'est grave. Équipe ça là, Nigeria, pénalty, premier mi-temps. Pour égaliser même ces problèmes, ils ont. Un but contre Nigeria, vous n'égalisez pas. C'est contre Guinée, quand vous allez égaliser. Oh, dehors là-bas. Sortez là-bas. Bande de voile. Dehors là-bas. Vous ne valez rien. Vous faites les hommes payer les maillots, chercher pour soutenir une équipe de mannequins comme cela. Vous laissez Zaya, ah Zaya il est impoli, pour aller prendre des mannequins qui foutent rien, qui sont devant le poteau, qui veulent dribbler, et le gardien, et la pelouse, et les joueurs, et le stade, et le président, tous les supporters pour aller marquer. C'est ça que vous appelez un joueur. Viens là-bas. On va gagner, 3 étoiles sur les maillots.
Et toi, là, m'étonner. Sortez. Laissez les bonnes personnes jouer. Cadre là. Sortez là-bas. Sortez. Bien. Guinée-Bissau, c'est l'équipe. Guinée-Bissau, c'est l'équipe. Vous allez sauter. Ouais, Guinée-Bissau, on a gagné 3 points. Guinée-Bissau, c'est l'équipe. Voici une vraie équipe devant vous. Nous sommes la vraie équipe. Bastonnez ça. Guinée contre là, voici une vraie équipe. Ils sont en train de vous bastonner encore. Sortez là-bas. Sortez. De fourrer comme ça. À cause des petits matchs, on a gagné contre Guinée contre là. Oh, vous pouvez voir. On est fort. On est fort. Nous allons attraper chez nous. Vous égaliser un but problème. Voici, c'est le Équateur Guinée qui a mis un. Vous pensez égaliser, sortez là-bas. Sortez. Laissez quand les bons jouent. Quand les forts parlent là, vous la Côte d'Ivoire, fermez pas vous, vous ne valez rien. Tu n'auras pas. On va perdre. On va perdre. On a quand même nous éliminer, puis ça a fini. Comment on peut. Non, mais. De toute façon. C'est pas vous, c'est nous en fait qui vous faites ça. C'est nous. Gros Pépé, bon joueur, ils ont crié. Pépé n'a qu'à venir. Pépé n'a qu'à venir. Pépé n'a qu'à venir. Voici quoi Pépé n'a qu'à venir. Voici Pépé n'a qu'à venir. Son pays joue un match crucial, dangereux, toxique, brutal, violent. Il est devant poteau, lui veut dribbler tout le monde pour marquer. Il a raté, non. Guinéens sont équateurs, ils ont pris une seule carte, ils ont mis tchoum. Enfin, déjà mis dans la tête. Commencez à enlever vos maillots. Parce que quand ils vont éliminer, c'est fini. Match là, de la façon on joue, ça ne peut pas marquer un but même. À tes bons, à tes pipi. Au revoir. Bon, ben. Une équipe de voleurs comme ça. Pardonnez. On va supporter le Sénégal, le Mali, le Burkina. Voilà, les autres, ils disent, voilà. Quoi, tu vois? Foyer, zéro. Les matchs amicaux, ils gagnent. Vrai match, compétition officielle, zéro. Zéro, vecteur pouce, avec mention très nulle.